Il y a un autre stand aussi, mais ce sont des Français, pas comme nous, espagnols. Pardon? Ils vendent des produits aussi très originaux. Ah. Là, c'est mademoiselle. Bonjour. Très original de rockabilly. Merci. Regardez, ça c'est moi. Encore, on a dormi beaucoup devant hier soir. Après, ici, il y a pour les sucettes, les personnes qui veulent avoir du sucre dans le corps. Les garçons, ils sont là pour vendre à tout le monde. Dites bonjour à la télévision espagnole. Hola, amigo. Hola, amigo. Là-bas, c'est la zone directement pour les boissons. Là où il y aura l'orchestre ce soir. Là, c'est les messieurs qui vendent les plaques. Tout type de plaques américaines, françaises, un peu de tout. On le connaît, c'est un grand pote. Il est en train de manger une banane, un platano. Regardez. De Guadeloupe. Oh. Mustang. De Guadeloupe. C'est Gustave de Tomahuma. Après, là, on est en train de préparer le manger. Là. Après, ici, on voit directement. Une petite caravane. Pour deux personnes, regardez l'espace qu'il y a. C'est vintage. Il y a des bijoux aussi. Il y a plein de couteaux. Regardez, tous les gens sont en train de regarder pour acheter. Bonjour madame. Le monsieur, le patron. Regardez quel bel stand il y a ici en France. On aimerait avoir des stands comme ça en Espagne, mais il faut venir en France pour acheter. Ça vaut le coup. Et en plus des prix hors taxes. Après, il y a les chapeaux western. Bonjour. Impressionnant. Non, je fais enregistrement. C'est pour mettre dans mon site après. Ah, c'est internet de quoi? Oui, internet. Alors ouais, vous mettez cette fibre. Non, je veux pas moi. Ouais. Ok, excusez-moi. Je veux pas du tout, internet. Non, mais c'est pour l'Espagne, hein, pour moi. Ouais, non, mais même, je veux pas. Non, par contre, non. D'accord, on va me mettre.